Bonjour, bienvenue à la capsule portant sur le diagramme de quartile. Alors, nous verrons comment construire un diagramme de quartile. Pour ce faire, on a un exemple ici très simple. On a les résultats d'un groupe d'élèves à un examen de mathématiques. Alors, voici les résultats et ils sont déjà placés en ordre parce que première chose très importante à vérifier lorsqu'on doit tracer un diagramme de quartile, c'est de placer les données en ordre. Donc, en ordre croissant, du plus petit à la plus grande. Alors ici, c'est déjà fait, on a sauvé une bonne étape. Première chose aussi qu'on doit, une fois après avoir vérifié que les données sont en ordre croissant, on doit aller trouver la médiane. La médiane, on doit se rappeler que c'est la donnée centrale. Alors ici, si je compte le nombre de données, rapidement, je sais que j'ai 21 données dans ma distribution. Donc, 21 résultats. Ce qui veut dire que la donnée du centre sera la 10e, la 11e donnée. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ça ici, c'est ma médiane, 75. Alors, première chose à trouver, donc c'est de trouver la médiane. Et la médiane, on va l'appeler aussi Q2. Donc, ici, c'est 75. Donc, première chose à trouver, c'est la médiane. Donc, évidemment, les données doivent être placées en ordre croissant. Alors, c'est la donnée du centre. S'il y avait eu un nombre impair de données, comme si, par exemple, il y avait eu 22 données, donc il y aurait eu, mettons, une donnée supplémentaire ici, alors j'aurais pris les deux données du centre et j'aurais fait la moyenne. On va faire justement un exemple tout à l'heure pour trouver Q1 et on devra faire la moyenne. Parce qu'après avoir trouvé Q2, qui correspond à la médiane, on doit trouver Q1. Q1, finalement, c'est, vous voyez que la médiane, là, Q2 a séparé notre groupe en deux groupes. Donc, je vais devoir trouver la médiane du premier groupe. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 données. Donc, je vais trouver la donnée du centre en faisant la moyenne de 59 et 60, comme ceci. Donc, Q1... c'est 59 plus 60 divisé par 2. Alors Q1 va me donner 59,5. Maintenant, je dois trouver Q3. Donc Q3, vous aurez deviné que ceci, c'est mon Q2, je vais les identifier. Q1 se trouve ici. Q3, donc, ça va être après Q2, dans mon dernier groupe, finalement, dans mon deuxième groupe, de trouver la médiane de ce petit groupe-là ici. Alors, je vais avoir 10 données également. Donc, je vais prendre la 5e et la 6e donnée pour trouver mon Q3. Je fais la moyenne. Donc, 86 plus 87 divisé par 2, ça me donne 86,5. Donc, j'ai trouvé Q2, ma médiane, Q1, la médiane du premier groupe, et Q3, la médiane du deuxième groupe. Maintenant, je dois identifier aussi quels sont mon minimum et mon maximum. Donc, mon minimum, plus petite valeur, 42. Plus grande valeur, 97. Maintenant, j'ai identifié les 5 valeurs que j'ai besoin pour dessiner mon diagramme de quartile. Alors, je vais commencer par me tracer une droite. Comme ceci, on va laisser en tracer une comme ça aussi. Alors ici, mes valeurs commencent, donc mon minimum est à 42, donc je pourrais faire une petite coupure d'axe comme ceci, et commencer à graduer à 40. Alors, c'est ce que je vais faire. Comme ceci. Alors là, je vais faire ma graduation en partant de 40. Je vais graduer par 5. Évidemment, plus on est précis, meilleure sera notre interprétation du diagramme.
50, 55, 60, 90, 95 et 100. Comme ceci. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller placer mes données que j'ai trouvées. Je vais commencer par Q2, ma médiane. C'est ma donnée centrale, ma donnée du centre qui est 75. Alors, vis-à-vis de mon 75, je viens tracer une ligne comme ceci. Oups! Alors, vis-à-vis 75, je reprends, je vais tracer une ligne. Par la suite, j'enchaîne avec mon Q1 qui est 59,5. Alors, tout près de 60, je vais aller tracer ma ligne ici pour mon Q1. Ça ne donne pas des résultats très... Ensuite, je vais tracer mon Q3, donc 86,5, tout près de 85. Donc, je vais fermer ma boîte. Je vais regrouper, je vais relier mes lignes comme ceci. Bon, maintenant, mes deux boîtes sont faites. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller relier mes boîtes ici à mon max et à mon min. Donc ici, mon minimum est 42. Donc je vais placer mon 42 ici. Donc je fais juste une petite ligne ici et je vais les relier par ce qu'on appelle les moustaches. Donc je relie ça, ma boîte, à mon minimum. Et je fais la même chose avec mon maximum qui est à 97. Donc ici. Et voilà. Et là, je peux identifier mes valeurs. Donc ici, j'ai mon minimum, j'ai Q1 qui est ici, Q1 qu'on avait trouvé qui était 59,5, ma médiane Q2, Q3 et mon max. Une chose très importante aussi à retenir, c'est que puisqu'on a divisé notre distribution en 4 groupes égaux, alors, ça veut dire que dans mon premier quart, le premier quart, c'est du minimum à Q1. Donc, ça, c'est le premier quart. J'ai donc 25% des données. Dans le deuxième quart, j'ai également 25% des données. Dans le troisième quart, donc le troisième quart qui va de Q2 à Q3, j'ai également 25% des données. Et de Q3 au maximum, donc le quatrième quart, j'ai également 25% des données. Donc, chose très importante, vous devez vous rappeler qu'il y a le même nombre de données dans chacun des quarts. Et c'est pas parce que la tige ici est plus longue que cette boîte-là qu'il y a plus de données. C'est pas ça du tout. Tout ce que ça veut dire, c'est que ici, dans mon premier quart, c'est que les données sont plus étendues, donc sont moins condensées. Tandis qu'ici, les données, ici, j'ai le même nombre de données, mais dans une plus petite tige, donc les données sont beaucoup plus condensées, tandis qu'ici, les données sont plus dispersées. Mais il y a le même nombre de données dans chacun des quarts. Voilà! Bonne fin de journée!